Le Premier ministre Patrick Achi a confié le samedi 23 avril 2022 une importante mission à l'ex-ministre des Sports René Diby, reconnu comme le principal artisan du sacre des éléphants à la CAN 1992. Fraîchement reconduit à la tête du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi a fait sa première sortie officielle le samedi 23 avril 2022 à la place de la République de Dabou en marge de la 4e édition du festival Lodjoukrou. Pendant son intervention, le Premier ministre a reconnu le pouvoir que dispose le peuple Adjoukrou en général et l'ex-ministre des Sports René Diby, en particulier. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire remporte sa CAN, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a confié une importante mission à René Diby pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne quitte la Côte d'Ivoire. Il, René Diby, note de la rédaction, a donné au sport ses lettres de noblesse dans notre pays. Cher aîné, tu fais honneur à notre pays. Il faut faire en sorte que la Coupe d'Afrique 2023 reste chez nous ici. Là tu es allé chercher tes fétiches, il faut y aller. Lire aussi clôture de l'Odjoukrou Festival / SISML Office du Lobutu, taisons nos ambitions personnelles pour ne regarder que le bien-être de nos populations, le jour, la nuit, sous le soleil, sous la pluie, je vais te suivre pour ne pas que tu oublies. Il faut faire pour qu'on gagne la CAN 2023, a lâché le Premier ministre sous un tonnerre d'applaudissements des populations de Dabou venues en très grand nombre assister au dernier jour du festival Lodjoukrou. René Diby heureux de recevoir une telle mission de son côté, l'ex-ministre René Diby a quissé de la tête les propos du Premier ministre Patrick Achi. Pour rappel, il faut savoir que le doyen René Diby était le ministre des Sports en 1992 lorsque les éléphants remportaient la première Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Sénégal. Partout en Côte d'Ivoire et ailleurs, tout le monde s'accordait à dire que le natif d'Akradio, un village de Dabou, a fait appel à la bénédiction de ses ancêtres pour que les éléphants sortent vainqueurs de ce tournoi le plus prestigieux en ce qui concerne le football. L'on peut donc déduire que c'est pour cette raison que le Premier ministre Patrick Achi lui a demandé de récidiver pour que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée par son pays ne quitte pas les Burnies. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.